Lawrence dans l'entrée de la folie du studio pour continuer la petite série sur les compos instrumentales. C'est avec fierté que je vais vous présenter cette composition qui s'appelle Brown Ballad Bluesy Rocky. Voilà, donc dans l'esprit blues rock, dans l'esprit années 80-90 d'un célèbre groupe. Vous reconnaîtrez un petit peu vite le style sans spoiler, sans dire le nom. En tout cas, c'est avec grande fierté que je vais vous présenter ce morceau. J'espère qu'il va vous plaire autant que à moi quand je l'ai composé. Donc il est tiré d'un ancien morceau que j'ai retravaillé et ça a donné ça. Voilà, donc je suis très très fier de vous le présenter. Également le concept, hein, je rappelle, il est aussi prévu que je contacte des youtubeurs pour qu'ils s'en servent sur leurs vidéos. Ça me ferait plaisir d'entendre mes chansons sur leur timelapse. C'est un petit peu l'autre objectif de ces compositions, en fait, tout simplement. Il y a des gens que je suis sur YouTube que j'apprécie énormément. J'aime leur travail, j'aime leur savoir-faire. J'aime leur manière de nous expliquer les choses, beaucoup mieux que moi je ne saurais le faire. Et c'est pour ça que je leur propose voilà, ce genre de vidéo, parce que je trouve que ça s'y prête bien et que c'est intéressant. Voilà, donc on va partir sur ce son. Je vais vous faire écouter un petit peu d'abord la musique et après on reviendra sur le cours. Allez, à tout de suite! We'll be right back.
les amis, c'était Magic Fingers. Je suis désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, mais c'est pas grave, le principal c'est d'entendre ce morceau. Donc voilà, donc il m'est venu d'une première idée en fait, tout est parti de ce que j'ai appelé en gros le couplet avec donc ces accords Fa mineur 6, 7 mineur, 6 mineur 7 pardon, ensuite Do dièse mineur 7 et La majeur. Du coup, je me suis dit que ça, c'était mon cinquième degré qui était intéressant de basculer. Je fais souvent des choses comme ça, c'est-à-dire que je prends le premier degré de majeur et puis le cinquième degré, je l'agrémente et comme ça, ça me fait une couleur un peu différente dans la composition. Je trouve que c'est un petit rebondissement intéressant et en plus, bah, ça marche. En tout cas, pour cette chanson-là, ça a fonctionné. Donc voilà, donc en fait, si on reprend donc ce fameux couplet, qui vient après l'espèce de riff très, très rock blues. Voilà. Donc là, c'est une boucle, donc ça fait. Donc vous avez vu le La, ça fait comme ça. À la Hendrixienne, on va dire. Et donc dessus, vu que c'est mon cinquième degré, en fait, j'utilise la gamme de Fa mineur. Et j'essaye de faire une espèce de mélodie. Et donc la composition de ce couplet, il y a trois guitares en fait. Il y a trois guitares, dont une wah-wah en fait. Donc on va les écouter une par une si vous voulez. Donc il y en a une qui fait ça. Très rythmé. Ensuite, il y a une autre guitare qui fait ça, qui fait les arpèges. On repart sur la fameuse rythmique. Et il y a la troisième guitare du couplet qui fait donc. Etc. Donc ensuite il y a une basse hein, qui suit les accords en fait. La basse elle fait ça. Donc bien sûr j'utilise une vraie basse hein, pour vous faire ça. Donc bien sûr la fondamentale. Sur cette partie là, donc ça c'était la partie couplet, ce que j'ai appelé couplet, mais en fait sur l'intro et ma partie refrain en fait c'est donc le riff un petit peu énervé rocker là et du coup ça fait ça, l'intro ça fait ça, très intéressante l'intro. Donc l'intro ça fait La majeur. Allez, pardon, ça fait pas La majeur ça. Alors là ça fait Ré Sol. Voilà, le riff ça fait ça. Ré Sol. Et après je fais cette petite partie là. Hein, qui est en fait on pourrait en si mineur presque ou en fa mineur, j'associe tout en fait et la gamme de la majeur de la majeur en fait. Ça.
fait le riff, ça fait... Voilà, et après par-dessus, donc je fais un petit solo en gamme de La majeur. Hein. Comme ça, Hammer Pull Off là. Voilà, et le riff continue en fait, comme ça, tout droit. Ok, il y a une petite guitare qui fait ça. En fait, j'utilise le un peu le funk, j'ai envie de dire, un petit peu ce qui se ferait dans le funk ou le jazz. J'utilise les correspondances. Je fais ça. Hein. Je fais la petite... je ferai là. On reprend le plan. Donc ça fait sol, fa dièse, mi, la. Et je fais ça aussi à la basse. Je fais ça aussi à la basse pour accentuer vraiment. Marque les temps en fait. Voilà. Donc du coup à la basse, hein, je fais juste le ré, le sol qui est en dessous. Hein. Si on reprend le sol, il est là. Donc à la basse. Partie, donc voilà, ça fait ça. Et ensuite, je fais un pont au milieu, je sais pas si vous voyez, où je laisse en fait en place la batterie. Donc c'est une batterie assez rock hein, que j'ai faite machinalement hein, en gardant. Donc j'utilise toujours Easy Drummer. Donc hop, on le remet là. Et vous voyez, j'ai utilisé une batterie rock hein, moderne vintage pour rester dans l'esprit. Hein. Alors si je la mets en route. Ah, très rythmé. Voilà, ça c'est mes couplets. Mais si on repart sur le... Voilà. Et puis pour repartir sur mes petits couplets, hein, ce que j'appelais les couplets, je reste sur le mi majeur. Voilà, en gros. Voilà comment se compose ce petit morceau. Donc en fait, je suis parti donc de l'espèce de couplet là. Là-bas, je le jouais un petit peu plus funk, pop, quoi. Et du coup, je trouvais qu'en blues comme ça, ça ferait vraiment très bien sur une rythmique comme ça. Ça a un côté voilà, qu'on aime bien, quoi, un côté bien rock là, tu vois. Ouais, ça c'est les riffs typiques quoi. Et donc sur le pont,
même principe à la basse. Donc je fais une pause en fait. Je stoppe avec la main. Je laisse mon main. 1, 4 et... Comme ça, la batterie, elle est vraiment en avant là sur le principe. Et puis comme le riff, il est sympa. Avec toujours le petit... Cette fois, sur la deuxième guitare, en fait, je le joue à l'octave. C'est-à-dire qu'au début, je faisais là, on est d'accord. Hein. Et après, je le fais là. Juste sur le pont, en fait. Vous voyez ? Voilà, je traduis simplement en me servant un petit peu de l'octave pour donner un côté un petit peu plus prononcé, en fait. Et moins présent aussi, parce que comme il y a beaucoup de basses à ce moment-là, entre la batterie, la caisse claire, la grosse caisse, la basse qui reste sur les fondamentales et qui reste en grave, du coup ça donne un contraste, ce petit plan-là. Ça fait bosser les sauts de corde aussi, parce que mon là il est au-dessus en fait. Ça. Et donc on va aimer improviser vraiment sur ce genre de riff là, on va vraiment accentuer vraiment la gamme blues mineure, mais en restant majeur avec des petites... On sait pas trop si on est en tierce majeure, tierce mineure, entre les deux. Mais ça permet justement des jeux comme ça. On va pouvoir tout articuler, donc sa petite gamme, en la prononçant vraiment comme on en a envie. En y mettant du rythme ou pas. Et ensuite on revient sur cet accord là, le Fa. Donc le Fa, en fait, pour avoir une petite comment dire, quand on connaît pas trop le manche et quand on a un changement comme ça, en fait, essayez de vous référer le Fa mineur, ce qu'on construit comme ça. Et donc sur la deuxième case, donc en fait le même accord à l'octave, il va être là, et du coup ici on sait qu'on a un Fa dièse mineur, et en se servant de la même technique là, on sait que là c'est les mêmes notes, là il faut faire un saut de corde, voilà, et ben là c'est pareil. Donc je sais qu'ici j'ai mon Fa majeur, mon Fa dièse mineur, enfin mon Fa dièse quoi, il n'est pas mineur là. Là, on a notre cinquième degré, tout simplement, qui se dessine. Le quatrième degré, pardon, et le cinquième. Et après, on recommence. Voilà, et donc, on essaie de faire une petite mélodie, quoi. Un peu plus mélodieux, quoi. Autant sur le riff, il faut y aller, quoi. Autant sur ça, c'est un petit peu doux. Et ça se permet de changer de couleur, en fait. Et après, on revient. Thank you.
savez tout. Je change pas de son du coup. Hein. En fait, je reste sur le son crunch que je vous avais montré sur la vidéo précédente que j'ai utilisé. Et en fait, c'est ce son-là en fait, qui m'a inspiré. Donc, quand je vous dis que des fois, il y a des sons, on ne sait pas pour quelle raison, ça nous motive à construire des choses ou à entendre. En tout cas, on a un jeu un petit peu différent où on va sur un registre peut-être qu'on ne connaît pas spécialement ou qu'on a envie de découvrir. Enfin, en tout cas, peu importe la manière dont on y va, des fois, les choses ne s'expliquent pas. Elles se ressentent, en fait. Et des fois, quand on construit un son, une sonorité, bah, pour le tester, on fait des trucs, puis ça nous dit, tiens, j'aurais bien aimé faire ça. Et puis voilà, ça fait... Et le son s'y prête vraiment, quoi. Envie quoi d'y aller quand je vous dis qu'ici il se passe des choses folles. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit son vous fera plaisir, que vous me le demanderez. Donc je l'ai en playback, je l'ai en entier pour proposer aux youtubeurs, pour vous proposer aussi de bosser chez vous tranquillement. Il est un peu long, donc du coup on peut s'amuser vraiment dessus, hein. J'ai fait un petit peu exprès de les rendre quand même longs, les morceaux. Je veux pas non plus faire des choses comme ça un petit peu non constructives en fait, où j'aime bien un petit peu élargir les choses de manière à pouvoir vraiment entendre ce qu'on a envie d'y placer, comment ça se construit et tout ça. On pourrait raccourcir carrément le morceau, mais voilà, moi j'ai vu comme ça. Donc en gros, le refrain il fait 1, 2, 3, 4, 5, il fait 6 boucles, ce que j'ai appelé le refrain, donc le gros riff là. Hein, ça fait 6 fois ça. Ensuite on arrive au couplet. Comme les accords ils sont entre guillemets un petit peu plus lents, j'ai fait que 4 boucles. Voilà. Après j'ai fait 4 boucles de pont aussi pour une reprise de refrain sur 6 boucles. Et puis après on repart sur un petit couplet avec une fin voilà, où je laisse sonner en fait, je laisse mourir la note et puis voilà. Tout ça construit avec une batterie et puis bah, une vraie basse. Il faudrait un jour que je vous sorte ma basse hein, quand même. Bon, elle est là derrière. Hein. On l'entend de toute façon que je l'utilise. Hein. Et donc je l'utilise avec le Podgo parce qu'il y a aussi des amplis de basse dessus et c'est fantastique. Quoi. Quand je vous dis que c'est un outil de créativité et qui répond aux attentes de beaucoup, quand on est tout seul comme moi à composer, c'est un réel bonheur de pouvoir tout faire finalement sur le même appareil, en tout cas pas tout débrancher, rebrancher, etc. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que ce petit morceau est fini, cette vidéo aussi. Je vous remercie de me suivre. Vous m'avez extrêmement touché ces temps-ci. J'ai eu un regain d'abonnés, j'ai eu des vues en plus. Enfin, je veux dire, c'est très très motivant. Je vous remercie vraiment, vraiment. Je salue mes nouveaux abonnés. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. C'était Magic Swingers. Salut à vous, à bientôt les amis, c'était Magix. Allez, moi j'y retourne parce que là, franchement, ça donne envie de composer des gros morceaux.